All right, everyone, welcome. We're going to talk today about extensibility in DHIS2. For those of you who don't know me, my name is Austin McGee. I'm the deputy tech lead for the DHIS2 software team. And I'm apparently too loud because Max is turning me down. That's the first time that's ever happened. Welcome, everybody. So today we're going to talk about extensibility. And I have a good group of folks to join me up here today to talk about real world experience with extending DHIS2. But first, to get people kind of in the mood, who here has ever installed DHIS2 and never touched it again? And then it just worked for the rest of the time you used it. It's out of the box. You install it. It's you never touch it again. Anybody raise hands? Who has done the opposite? Who has had to configure it, maybe had to extend it a little bit, had to change it? Raise your hands. Raise your hands on Zoom if you're joining us there. I'm surprised. So some people are maybe just working with empty DHIS2 instances. That seems possible. maybe we need to work on some data use in those cases. But what the moral of the story is that DHIS2 always needs to be adapted to the local context. It almost always needs to be changed, needs to be extended, needs to be integrated with other systems that are around it to match the workflow and the use case for which it's being used. And so what we're going to talk about today is how we as a community and we as the global software team can help to provide infrastructure and support for those extensions to make them easier, lower costs, easier to maintain, and so on and so forth. But before I get started with that, I want to wind us back to 2019, not for the obvious reason, but because that was the last DHIS2 conference that was here, live in Oslo. And back at that time, we had something, a vision called the application platform that we hadn't even started to roll out yet. And I gave a presentation with this slide that is kind of dizzying, but it shows the cost of maintaining applications in DHIS2. This is particularly for the core team, which maintains 30 plus applications across multiple versions of DHIS2, many libraries that support that. And basically we're maintaining hundreds of code bases in order to keep DHIS2 running and provide all the features that you want across multiple versions in the wild. And that's only a piece of the puzzle, because then there's also everyone else out there who are building additional applications in DHIS2 to extend that functionality. Pour étendre cette fonctionnalité et s'adapter à l'utilisation locale. Build up an application. And so what we did by introducing the application platform, one piece of our extensibility infrastructure, I'll talk about some of the others later, is to do what's called inversion of control, where instead of allowing an application to basically take control of your entire web browser and do everything, which means that the developer that's building that application then needs to do everything for you, we flip that around so that DHIS2 provides an encapsulated space that is a smaller problem space for the developer to work in, makes it easier to build something new, easier to iterate, and also easier to maintain those innovations over time. We also have built since 2019. Nous avons aussi mis en place depuis 2019, nous avons mis en place un écosystème de développement d'applications. Depuis 2019, on a essayé de. Nous n'avons pas seulement mis en place cette application, nous l'avons déployée. Nous l'avons partagée avec les autres utilisateurs de DHIS2. Nous avons reçu le feedback et c'est la genèse de ce que nous allons. Multiple stages of what an application needs to do or an extension needs to do in DHIS2. You need to build it. You need to maintain it over time, which is a lot harder than people anticipate.
You might share it with other people, and that also comes with costs and also challenges, because you might be installed on a DHS2 instance that you've never seen before. You maybe never will see, because your application then needs to work in. Votre application doit fonctionner dans un contexte précis. But I wanted to share something that he said in the hallway to me the other day, which he was talking, I did not prompt him about this at all, I promise. He was talking about what application... Désolé, chers participants, nous avons eu quelques problèmes techniques. Donc, on vous parlait des innovations qu'il y a eu dans DHIS2 depuis 2016 jusqu'à présent. Et nous voulons vous dire que nous sommes en train d'améliorer la plateforme de DHIS2. Et c'est pour cela que nous avons essayé de mettre des applications dans l'écosystème. Nous avons, tu sais, fait dans le DHIS2, et c'est nécessaire pour pouvoir représenter les unités d'organisation, comment permettre qu'on puisse les sélectionner, et ce n'était pas très facile au début. Donc, il faut prendre cela en considération si vous voulez bâtir une nouvelle application. Donc aujourd'hui, les choses sont devenues plus simples pour le nouveau DHIS2. Maintenant, pour la plateforme moderne de DHIS2, on essaie de tout faire pour mettre en place des infrastructures qui vous permettent de pouvoir bien travailler et sélectionner les unités d'organisation à tous les niveaux. Maintenant, je vais vous parler de cette plateforme, DHIS2 comme une plateforme. J'hésite à utiliser le mot plateforme parce que on en fait trop usage dans nos lexiques, mais c'est le mot que nous utilisons depuis, donc c'est pour ça que je n'ai pas le choix. Donc, qu'en est-il pour cette plateforme d'extension dans DHIS2? Celui qui est puissant, c'est le REST API. Il y a plusieurs d'entre vous devraient le savoir déjà, que nous avons un REST API qui est très documenté, qui vous permet de bien travailler dans DHIS2. Et également, le faire à partir du design, c'est très facile parce que tout ce qu'on peut faire dans l'application web de DHIS2, ça se fait à travers de API et nous faisons tout pour que tout le monde puisse mettre des extensions d'applications aussi. Aussi, nous avons le cadre de développement de l'application web qui utilise la version de contrôle et ça nous permet de pouvoir mettre en place aussi des applications de téléphone. Hier, on a parlé de plusieurs choses et donc on a amélioré beaucoup la plateforme, que ce soit sur le téléphone, sur le web, sur la dernière version. Également, on a essayé de tout faire pour que l'application puisse être intuitive et bien être utilisée dans DHIS2. Et également, ceux qui utilisent le DHIS2, ils ont un système avec lequel ils peuvent interagir. Donc, quand je vois ces unités d'organisation, on essaie de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, même s'ils ont déjà vu ça par le passé. Donc, on veut que les gens puissent utiliser facilement cette extension dans leur application. Également, nous avons d'autres outils comme
le Java DHIS2 qui permet l'interopérabilité de l'application. Également, nous avons les outils normalisés des développeurs qui permettent de tester l'application pour pouvoir voir comment est-ce qu'on a réussi à améliorer l'agilité afin de travailler sur la plateforme de base. Également, nous avons ce que nous appelons le DHIS2 App Hub qui permet de partager les innovations avec toutes les autres personnes dans la communauté pour que l'innovation puisse être utilisée à nouveau et être plus efficace parce que ça s'applique à beaucoup de contextes. Également, il y a la documentation qui est devenue plus extensive, de même que la communauté et la formation qui permet de pouvoir travailler et mettre en place ces applications-là. Et voici la capture d'écran du portail des développeurs des HIS2 qui vous permet d'avoir accès à cette communauté. Et si vous ne connaissez pas cette plateforme, vous allez sur dhis2developer.org et puis vous allez pouvoir nous contacter. Nous espérons que des développeurs sur le terrain de votre côté peuvent aussi rejoindre l'équipe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019? Il y a eu beaucoup de choses qui s'est produit depuis que l'idée de l'application a été introduite lors de la conférence annuelle. Quasiment toutes les applications qui ont été développées par l'équipe dans DHIS2 ont été utilisées par des dizaines d'applications tiers, des applications tierces qui aussi ont essayé de tirer profit de ce que nous faisons. Maintenant, l'application de base de transition a aussi été prise en compte par l'équipe pour pouvoir résoudre les problèmes de bugs de la manière la plus rapide possible. Également, nous avons développé des académies et aussi développé des programmes de sensibilisation et ça a permis que les gens puissent partager leurs connaissances et avoir des feedbacks de la communauté de développeurs pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer nos outils et nos infrastructures. Une des choses qui a été mentionnée hier, je ne sais pas si c'est assez bien compris par tout le monde, c'est que 2.38.0 a vu le jour, 2.38.1 va bientôt voir le jour. Et ça, c'est seulement du côté serveur de DHIS2 et toutes les applications peuvent être installées de manière indépendante que de vouloir intégrer d'autres paramètres directement. Donc, on essaie de beaucoup travailler avec des développeurs tiers pour pouvoir améliorer nos processus pour que tous ceux qui utilisent DHIS2 puissent avoir de nouvelles fonctionnalités assez rapidement pour pouvoir améliorer leur application et fixer les bugs qui peuvent avoir lieu, de même que d'autres avantages également. Donc, pour résumer, tout simplement, pour ce qui est de la plateforme, ce qu'elle nous permet de faire, c'est de pouvoir bâtir l'innovation assez rapidement et de manière facile, continuer à maintenir le développement aussi. Et également, ça nous permet de pouvoir réduire les coûts en matière d'investissement pour pouvoir avoir de l'innovation sur l'application DHIS2. Et également, ça nous permet de le gagner en temps parce que ce n'est pas très facile de pouvoir avoir de l'innovation dans les applications. Une fois que c'est fait, vous devez tout faire pour maintenir cette innovation. Même si c'est fait dans un pays, il faut tout faire pour rendre ça disponible dans tous les pays. Également, il faut pas beaucoup d'efforts pour pouvoir maintenant partager les nouvelles innovations. Vous savez que dans des
IS2, c'est pas très difficile. On peut avoir accès à toutes les innovations sans être formé à nouveau sur la nouvelle application à chaque fois. Donc, mes collègues Prosper, il vient de HISP Uganda, il va nous parler de la collaboration pour le développement de l'application en Luanda.